Bon après-midi à tous, c'est heureux de vous retrouver au camp de cette édition d'information dont voici les titres. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles White, a comparu ce vendredi devant le tribunal de la première instance de Dixine pour répondre des faits délictuels qui lui sont reprochés par les responsables du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC dissous. Les échos, c'est dans ce journal. Des femmes vendeuses du marché Yembea dans la commune de Ratoma en colère face à la décision des autorités de les faire quitter la route qu'elles ont transformée en petit marché depuis plusieurs années pour sa réhabilitation. Vous les entendrez dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. À la une de l'actualité, le président en exercice de l'Union africaine est à Conakry. Il a été accueilli par son homologue guinéen dans la soirée de vendredi, accompagné des membres du CNRD, du gouvernement et les représentations des institutions diplomatiques internationales. Accrédité en Guinée, la visite du président comorien s'inscrit dans le cadre des échanges et de partage autour de la plus haute instance du continent africain et du renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines au bonheur des deux peuples. Suivez le film de son arrivée avec notre reporter Amar Bangoua. 18h26, le nouveau président en exercice de l'Union africaine sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Azali Assoumani a été accueilli par le président de la transition guinéenne. Avant tout, rassurez-vous, je suis chez moi. Et l'accueil chaleureux, intime et fraternel qui m'a été réservé. Avant d'être président de l'Union africaine, je suis le président de l'Union des Comores. Et les Comores et la Guinée ont partagé de très bons moments. Avec la présence du président de la plus haute instance du continent africain, la machine diplomatique guinéenne est en marche. Pour le gouvernement de la transition, c'est la preuve évidente que le pays n'est pas fermé au monde. Il vient chez son homologue de Guinée partager avec lui la vision qu'il a de l'Union africaine et ce qu'il compte faire pendant le mandat qui est le sien. Et recueillir aussi les attentes du président guinéen par rapport à cette organisation continentale. C'est le sens officiel de la visite du président actuel de l'Union africaine. Le président Azali Assoumani est aussi le président de l'Union des Comores. Son séjour à Conakry auprès des autorités guinéennes réjouit ses compatriotes. C'est une joie pour nous tous, le fait d'avoir eu l'opportunité de voir notre président. De pouvoir lui serrer la main, c'est une fierté, c'est une joie pour nous tous. Nous espérons beaucoup plus, surtout avoir représentant diplomatique, surtout avoir ici, parce qu'on en a vraiment besoin. Le séjour s'étend du 23 au 24 juin 2023. Il précède celui du président rwandais Paul Kagame et intervient dans un contexte où la junte au pouvoir est reprochée de la gestion unilatérale de la transition et de forcer à l'exil certains leaders politiques dont Seludelin Diallo et Sidya Touré. Justement, la visite du président Azali Assoumani intervient dans un contexte de transition marqué par une crise sociopolitique plus ou moins tendue dans la conduite divise les acteurs. Une question qu'elles ont les entendre encore des acteurs politiques. Amara Bangoua a rencontré quelques acteurs politiques. Suivez son reportage. Oye Beyavougui fait partie de ceux qui se réjouissent de la visite en Guinée du président de la plus haute instance du continent africain. Le secrétaire général par intérim du parti PDG-RDA et membre de la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue estime qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter en ce qui concerne l'évolution de la transition dont il trouve le processus normal. Nous estimons que les choses vont bon train. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude majeure à se poser, d'autant plus que ça donne une opportunité aux autres institutions régionales et sous-régionales de voir clairement que la Guinée est très volontaire à pouvoir permettre à tout un chacun, à toutes les entités, d'avoir un regard sur l'exécution donc, du chronogramme de la transition. Voilà le point qui me semble très pertinent.
Le président en exercice de l'Union africaine arrive dans un contexte marqué non seulement par la division des acteurs sur la gestion de la transition en cours, mais aussi sur le soupçon de la junte au pouvoir à vouloir éliminer certains leaders politiques lors des prochaines échéances électorales. Pepe Francis Haba, président de la commission politique de l'Alliance nationale pour la démocratie de Mamadou Sylou Denen Diallo, sollicite une rencontre entre sa coalition politique et le président de l'Union africaine. Et s'il nous reçoit, effectivement, nous allons insister sur le fait que nous voudrions que le CNRD, son gouvernement, accepte que la main dans la main en tant que frère, nous puissions discuter autour de la table, discuter, n'est-ce pas, sérénement des activités des activités à mettre en œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, c'est la première chose qui va être très, très importante pour nous. La deuxième chose, c'est qu'il y a, quand même, n'est-ce pas, aujourd'hui, une certaine instrumentalisation de notre justice. Nous voudrions que cela cesse. Je pense qu'il faudra qu'on le dise, n'est-ce pas, au président de la commission de l'Union africaine. Pour rappel, la visite du président en exercice de l'Union africaine intervient après l'annulation de celle du médiateur de la CEDEAO dans la transition guinéenne par les autorités de Conakry pour, dit-on, faute de définition des termes de référence. Justice, dans ce journal, le procès qui oppose les responsables du Front national pour la défense de la Constitution FNDC au ministre de la Justice est poursuivi ce vendredi au tribunal de première instance de Dixine. À l'audience de ce jour, les débats ont porté sur des exceptions soulevées par les avocats du prévenu Ansoubaye Lobaldé pour les explications. Le ministre de la Justice accusé dans cette affaire a bel et bien comparu par devant le tribunal correctionnel de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, poursuivi par les responsables du Front national pour la défense de la Constitution FNDC pour des faits présumés, dénonciations calomnieuses, diffamation, injures publiques, entre autres. Alphonse Charles Wright a nié les accusations mises à sa charge. Après cette déclaration, le juge Ibrahim Assouride Tunkara a donné la parole aux différentes parties au procès. C'est ainsi que les avocats chargés de défendre l'accusé à la barre ont soulevé des exceptions qui demandent l'irrécevabilité de la citation directe introduite par les plaignants et au tribunal de se déclarer incompétent de juger ce dossier judiciaire. Les conseils de Charles Wright ont indiqué que leur client ne peut pas être jugé en la matière avec son statut de magistrat et de ministre de la République. Nous avons soulevé l'incompétence du tribunal correctionnel en tenant compte de ses qualités de procureur général et de ministre de la Justice. Ces arguments ont tout simplement été balayés du revers de la main par l'avocat des plaignants. Vu que c'est une procédure jugée au pénal, la forme commande le fond du dossier a fait savoir Maître Salifou Biavogui. Donc, le prévenu doit produire devant le tribunal le brevet qui atteste son statut de magistrat. Ce matin, ça aurait été plus simple pour le prévenu s'il venait avec son brevet de magistrat. Il le présente. Et on aurait pu discuter autrement. Mais toutes les infractions qu'il a eu à commettre, il les a commises en tant que citoyen ordinaire, en tant que justiciable des juridictions de droit commun. Pour statuer sur la question relative aux exceptions soulevées, le juge a ordonné le renvoi de l'audience pour le 3 juillet prochain afin de rendre sa décision. L'actualité, c'est aussi le Conseil national de la transition dans son projet de changement constitutionnel a entamé ce vendredi 23 juin la phase de consultation des populations à la base. Cette phase de consultation a débuté dans la commune de Kaloum où les chefs de quartier et certains citoyens ont répondu à l'appel. Une séance au cours de laquelle ces habitants ont donné leurs avis sur le contenu de cette nouvelle constitution. Mariama Bouibari. C'est une séance d'échange sur les fondements de la nouvelle constitution que les conseillers nationaux de la transition et les habitants de Kaloum se sont prêtés ce matin. Combien de mandats pour le président de la République? Quelle langue nationale doit être reconnue au niveau national? Ont été entre autres les questions posées à ses habitants.
Je suis contre le troisième mandat. Pourquoi? Ça ne permet pas à un pays de pouvoir avancer. Ça ne permet pas à un pays de se développer. Mais par contre, si on a une bonne constitution où on met le mandat à 5 à 7 ans, par exemple, deux mandats, ça suffit. Ça peut permettre à cette personne de pouvoir réaliser ce qu'il veut pour la Guinée. On doit prendre une seule langue qui est maintenant parlée en Guinée. Parce que tout le monde se trouve en basse-côte et que toutes les administrations sont en basse-côte. Nous avons beaucoup de choses qu'on prend en basse-côte. Moi, je préfère que ce soit la langue soussou. Ces citoyens souhaitent avoir une constitution révisée à l'image de la population guinéenne. Pour les membres du Conseil national de la transition, ces séances d'échange sont une manière d'impliquer toutes les couches dans l'élaboration de cette nouvelle constitution. La démarche consiste à réunir vraiment toute la population dans des différentes zones, des points de rencontre, où on va, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donner la parole de façon libre à chacun d'entre eux sur des différents thèmes que nous proposons, comme on l'a fait à l'hémicycle, mais aussi leur donner l'occasion de dire tout ce qu'ils pensent qui doit être inclus dans la Constitution, vraiment au-delà de ce que nous, on a prévu pour que l'on puisse, comme on le dit, élargir la Constitution à la vie des autres. Le Conseil national de la transition compte poursuivre ses séances de consultation dans toutes les 6 communes de la capitale. Je vous le disais en titre, depuis plusieurs jours, les femmes du marché Yembeya expriment leur indignation face à la décision des autorités. Elles doivent quitter la route qu'elles ont transformée en petit marché depuis plusieurs années pour sa réhabilitation. Ces femmes, irritées, ne comptent pas obéir à cette décision. Elles n'ont pas manqué d'élucider leurs problèmes. Notre reporter Mama Aissata Tawel Kamara s'est rendue sur le lieu. Suivez son compte rendu. Ce vendredi, les femmes du marché Yembeya dans la commune de Ratoma ont manifesté leur colère. Elles sont sommées de libérer cette route secondaire de Yembeya qui les serve de marché. Aissata Baro est vendeuse de pain dans ce marché. Elle exprime son indignation face à cette décision des autorités. Nous faisons nos petits commerces sur cette route. Les autorités nous ont demandé de quitter les lieux pour réhabiliter la route. Mais nous n'avons nulle part où aller. C'est pourquoi nous avons pris d'assaut la route de Yembeya ce mercredi. Ils nous ont dit qu'ils vont trouver une solution. Il n'y a plus de place. Depuis plus de 20 ans, Mariam Diallo fait aussi son petit commerce dans ce même marché pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, elle se voit dans l'obligation de libérer cette route. Mamadi Doumbouya, nous souffrons. Aidez les femmes. Nous n'avons pas de marché. S'ils nous disent de quitter la route, où nous allons partir? Aidez les femmes guinéennes. La Guinée, Mali. C'est sous ce hangar que ces vendeuses du marché Yembeya sont censées faire leur commerce. Comme vous le voyez, les places de l'intérieur du hangar sont quasi vides. Selon elle, cet endroit est insuffisant pour abriter toutes ces vendeuses. Nous sommes plus nombreuses que ce hangar. Nous ne pouvons pas rester là-bas. Nous n'avons pas de marché. Ce sont nos mamans qui assurent les dépenses de la maison. Nos pères ne travaillent plus. Ce petit marché de Yembeya présente une image peu reluisante suite aux tas d'immondices qui sont visibles ça et là. Ces vendeuses cohabitent avec ces déchets plastiques et les eaux suées qui dégagent des odeurs nauséabondes et nuisibles pour leur santé. Sport pour finir, la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans se déroulera du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. Le Sili National est parmi les 8 équipes qualifiées à cette messe continentale. Le match d'ouverture opposera le pays organisateur, le Maroc, à la Guinée ce samedi. Mais quelles sont les chances de la Guinée à cette CAN? Pour répondre à cette question, Lansana Fofana a rencontré les spécialistes de Curon. Suivez. Pour la première fois, la Guinée jouera la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Le Sili National est logé dans la poule A en compagnie du pays hôte, le Maroc, le Ghana et la République démocratique du Congo.
À Conakry, les observateurs du football sont confiants par rapport à la performance des hommes de mort l'ICC dans ce groupe. Pour eux, l'équipe guinéenne a un effectif capable d'obtenir son ticket qualificatif pour les demi-finales, mais aussi avoir une place pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Je crois que il faut se croiser les mains, il faut être confiant parce qu'on a une bonne équipe, on a des jeunes joueurs locaux, on a fait venir certains joueurs ceux qui jouent en Europe, mais qui ont été formés en Guinée. Voilà, donc je pense qu'on a notre mot à dire dans ce groupe. Il y a quand même un effectif de qualité qui représente la Guinée. Il y a Seydouba Cissé qui est venu renforcer le groupe. Il y a Al-Ghali Momo Cissé qui était avec l'équipe A qui est là. Il y a Lansana Diarabi qui était là aussi avec l'équipe première. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être avec l'équipe première, comme Fodé Camara, le capitaine. Je les vois au moins jouer ces demi-finales, c'est-à-dire sortir de ces groupes, aller jouer les demi-finales et obtenir une place pour les Jeux Olympiques. Ça serait historique pour la Guinée, puisque la dernière fois qu'on a joué les JO au niveau de l'équipe de football, c'est en 68 à Mexico. Le sélectionneur guinéen Morla Cissé a dévoilé la liste des 23 joueurs qui vont représenter le tricolore national à ce rendez-vous continental ce jeudi. Cette liste est composée des joueurs locaux et des expatriés. Le Sélection nationale de Guinée sera opposé ce samedi au Lion d'Atlas du Maroc en match d'ouverture de la CAN U23. Ensuite, la bande Fodé Camara affrontera la République démocratique du Congo le 27 juin avant d'affronter le Ghana le 28 du même mois au stade Moulay Abdallah de Rabat. Bonne chance à la Guinée. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.kavimedia.com ou sur les réseaux sociaux Kavimedia. Et au revoir.